Yo les crows, yo tout le monde! Comment allez-vous en ce vendredi soir? Salut Romy, salut Gali, salut Diable, salut Fédéral, salut Clara, salut tout le monde! Comment ça va? Comment ça va? Toujours très intéressant de poser cette question au début de live. On ne sait pas. Bonsoir de la Russie, putain, sérieux? De la Russie! Putain, on me regarde en Russie, c'est ouf ça. Bah bonsoir Vals, hein. Bon, bah écoutez, ce soir les crows, Little Nightmares, enfin, j'ai envie de dire enfin. J'attends ce jeu énormément, enfin je l'ai attendu, ça y est, je l'ai. On va se faire ça ce soir. Ah, c'est pas encore mon anniversaire. Bientôt. Le jour des élections, putain. Ils auraient pas pu mieux choisir, quoi. T'en es loin encore de la retraite. Ah, je m'y approche, hein. Je m'y approche, hein. Bon, alors ouais, du coup je vais devoir jouer avec la manette parce que c'est un jeu qui se joue à la manette. Et j'espère ne pas tomber en panne de pile parce que là, ça serait ballot pour moi. Bref, on y va les crows. Donc Little Nightmares, on va se plonger dans le jeu, hein. C'est un jeu qui a une ambiance vraiment énorme. J'ai kiffé Inside et Limbo, qui étaient exactement dans le même genre, même style de jeu. J'ai vraiment kiffé. Du coup, bah, on va voir ce que ça donne, les crows. C'est parti. En plus, ça mélange indie et un peu horreur. Alors, le jeu est assez compliqué à ce que j'ai vu. Il y aura pas mal de morts, je pense, ce soir. Mais bon, let's go. Nouvelle partie. Choisir une sauvegarde. Bah, vas-y, choisis. T'as plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Je vois flou. Oula. Ah, c'est une japonaise. Ok, elle avait les yeux bridés. Enfin, je crois. Après, Outlast, ça va faire du bien, je calme. Bah oui, bah voilà, c'est parfait. Bon, c'est parti. Voyons voir comment se contrôle le petit machin, là. Oh là, il y a déjà des bruits sur ma droite. Ok, je peux allumer le briquet. On a un briquet. On a un petit briquet. Alors le truc c'est, est-ce qu'on peut l'allumer à l'infini ou non? Je pense que oui. Ok, donc il peut faire la toupie. Ok, il peut sauter. Il peut allumer un briquet. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je crois que c'est tout. Bon, bah écoutez, Cross, bon, on y va. C'est parti donc pour Little Nightmares. Allez, perds pas de temps. J'espère que le son est bon pour vous. Je vais mettre le son assez fort dans mes oreilles, comme ça, on est sûr de rien rater. Oh, putain, dès les premières secondes, je ressens déjà... je sens déjà que ce jeu va être excellent. Alors... Ah. Première énigme. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on a allumé une c'est quoi? C'est une lanterne? Ok, on va peut-être pouvoir passer du coup. Faut que je trouve juste la touche. Bien entendu. Ah voilà, ok. Yes! On va allumer le briquet du coup. Ah ouais. Sans briquet en fait, on peut pas aller très loin. On serait déjà bloqué. Sauter. Putain, on est dans les conduits d'aération dès le début, quoi. Et nous foutent dans des conduits dès le départ. C'est des dingues. Ok. On s'en est sorti. Tu peux bouger ton curseur. Ah oui, putain, effectivement. Ah, je suis désolé. Oh, putain, j'avais pas vu. Oh, le con. J'avais mon curseur. Désolé. Moi qui voulais Evil Within, mais bon, hein. Evil Within arrivera très vite, hein, Vocalen. J'ai pas oublié, hein. J'en fais pas. En fait, ce qui est marrant avec ce jeu, vous voyez, c'est qu'on peut. C'est pas vraiment de la 2D. C'est qu'on peut vraiment aller en profondeur. On peut vraiment aller au fond du.
du décor. C'est cool. Oh là, je kiffe déjà. Du coup, je sais pas si c'est une fille ou un gars qu'on incarne. Parce qu'il est il est cachant en fait. Oh là 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 là. Je sais pas où on est du tout. Il y a des grosses chaînes. C'est vrai qu'il est assez beau, ouais. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir ça? Non. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? J'ai pas l'impression. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut la ramasser. Ah, par contre, quand on ramasse un objet, on peut pas s'éclairer. D'accord. Ok. Donc, en fait, ouais, ça sert à rien. Ok. Ah. Putain, il y a une ambiance, il y a un truc en haut. Je pense qu'on est dans un... Je pense qu'on est dans un bateau. Bienvenue, Bexel. Bienvenue à toi. Je pense qu'on est dans un bateau, parce que regardez les portes. Regardez les portes, c'est vraiment les portes de navire. Il y a de l'eau qui coule. À mon avis, on est dans un rafio. Alors, on dirait qu'on n'a pas assez de force pour pousser les objets. Attendez, je vais essayer avec la marmite, là. Même si c'est pas vraiment une marmite, hein. Non, on peut pas. Ok. Casse-le. La statue se casse. Attends, je vais aller voir ça. Comment je fais pour la péter, du coup? Est-ce qu'on peut jeter les objets? Ah oui. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Je savais pas. Pour le success team. Ok. Oula! Attends. Il y avait pas un truc là? Ou j'ai rêvé? Je sais pas. J'ai cru voir un truc dans le verre de la porte. Dans le rond en haut là. J'ai peut-être rêvé, je sais pas. Des petits cachotiers dans ce rafio. Il y a des petits cachotiers. Oh là, regardez même le matelas quoi. Regardez-moi ça, ce réalisme. Regardez-moi ça, ce réalisme! Excellent. Bon alors, ne m'en voulez pas si je commence à aller un petit peu partout. J'ai envie de prendre mon temps. C'est un jeu où j'ai envie de prendre mon temps, clairement. J'ai pas envie de me dépêcher. C'est aussi peut-être un jeu où on va souvent être bloqué. ART pour saisir. D'accord, ok. Très bien. Du PQ. Qui a besoin de PQ, les Crozes? On est vraiment petit, hein. Regardez la taille du PQ comparé à nous. On est vraiment minuscule. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des chaises qui font... Enfin, logiquement, une chaise, c'est beaucoup plus grand que ça. On est d'accord. Oh putain, il y a un pendu, j'avais pas vu. Ah, pour le coup, la chaise a pas servi à grand chose, du coup. Est-ce que t'as vu la taille des jambes du mec et la taille de la chaise? Ouais, je vais explorer tranquille, ouais. Est-ce qu'on peut sauter dessus? Ah merde, j'aurais bien aimé grimper sur ses jambes. On peut pas, hein. Ok. Bon, bah quelqu'un s'est pendu. Il avait l'air de pas trop aimer sa vie dans ce bateau. En même temps, on peut le comprendre, hein. On peut le comprendre. Alors là, clairement, il me faut la chaise. Ouais, nickel. Ok. Dégage, PQ! Ah, il est chiant! Ok, bon, ça devrait être bon. Attention. Zéro mort! Et pour l'instant, les crosses, zéro mort, hein, je tiens à le signaler. C'est quand même assez beau de ma part. Tu as un énorme pendu au milieu de la pièce et Toshi remarque quoi? Du PQ. C'est tout moi ça. Bon alors attendez. Hein. On se concentre. Il y a des hélices derrière nous. Ce qui est dommage, c'est que son briquet il le garde pas dans sa main. Quand on saute, par exemple là je vais escalader. Mais si là il le garde. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. D'accord. Il y a un frigo. Eh, peut-on ouvrir le frigo, non?
Ah si. Oh là. Attendez, j'ai cru voir. Attendez. J'ai cru voir un truc partir à droite là. Là. Clairement. Je suis sûr d'avoir vu un truc, une espèce de poulet. Il y avait un poulet, les crozes. Il y avait un poulet, je vous jure, c'est pas des conneries. Il y avait un saloperie de poulet. Oh là là là. Ah ! C'est quoi ça ? Ça me veut du mal ou ça me veut du bien ? Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il va me suivre ? Putain, il me suit. Ah, c'est pas très beau, hein. À mon avis, ça me veut pas du bien. On va éviter. Hein ? Oh là là, que c'est joli, putain. C'est vraiment joli. Oh merde, un deuxième ! Oh non, à mon avis, c'est mauvais, ça. Oh là là, oh là là, oh là là ! Pas très bon ça. Espèce de limace. Ah, attendez, il y a un levier. Hop. C'est une sangsue. Ouais, c'est plus une sangsue, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Bon, on va les éviter, les sangsues. Olé. Si tu les touches, tu meurs touché. Ah bah j'ai bien fait de... J'ai bien fait de pas les... Bah de pas les toucher, du coup. Une question, ce jeu n'est pas horreur, c'est plus un jeu angoissant, non? Bah, je connais pas vraiment, mais je pense que ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je te donnerai mon avis à la fin du live. Je connais pas, enfin, j'ai jamais joué, donc oula. On nous enfermer. Putain, il est trop bien fait. Il est trop bien fait. Ok. Ouh, ça sent la première énigme. Ça sent la première énigme. Attendez. On a vu, on doit pouvoir monter là, non? C'est bizarre qu'il s'accroche sur cette planche. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc de bizarre là. Ça veut dire qu'on peut forcément monter dessus. On est d'accord. Bon, direct non. Attendez. Ah, on peut grimper sur la grille. Ok, c'est ça? Je sais pas. Il fait des tractions. Ouh. Tire la planche, Toshi. Tire la planche. Ah! Mais forcément, ça va mieux. Forcément. D'accord. Bah, tu vois, tu me l'aurais pas dit, je crois que je serais resté honnêtement bloqué au moins 10 minutes là. Faut me laisser. Ah, y'a le poulet. Y'a le poulet. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis que c'est un... Merde. Oh, c'est pas bon. Je sais même pas pourquoi je dis que c'est un poulet. C'est pas du tout un poulet. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Oh putain, l'angoisse. Oh l'angoisse. Alors, on peut pas. Faut savoir qu'on peut pas courir dans le jeu. On peut pas du tout courir. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais mourir. Oh, c'est bon. Non. Ah, le con. Oh putain, c'est rapide. Oh, oh la vache. Ouais, c'est plus un lutin qu'un poulet. Ok, il fallait que je pousse. Ok. On y retourne. On y retourne. Oh là 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 là. Hop, 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 hop. Hop. Voilà, parfait. Je sais pas comment on peut l'appeler, je sais même pas si c'est une fille ou si c'est un mec. Je crois que c'est une fille. On va allumer ça. Salut Ornel. Tu peux sprint tech X. Ah oui putain, c'est vraiment un petit sprint hein. C'est vraiment un petit sprint hein. Pas très sportif hein. Alors je sais pas pourquoi on a allumé le truc en bas. Oh oh putain, il est encore là lui hein. Petit lutin là. C'est un petit lutin. Tiens.
va monter. Bon, il me fait pas... Il me fait un peu flipper, ce petit lutin, là, sous les soirs. J'ai peur qu'il me saute dessus, en fait. Ah, c'est excellent. Olé ! Monsieur Viking ! Bienvenue à toi, monsieur Viking. Putain, il fait sombre, là. Ce serait pas un petit levier, ça? Hein? Ce serait pas un petit levier, ça? Faut juste que je sache comment le... C'est bon. Hop là. Ah merde! Ok, faut que je me dépêche. Oh! Faut que je sprinte! Trop tard. D'accord. Oh là là. Va falloir sprinter, les crocs. Let's go! Oh, ça passe. Ça passe. Pas de lutin à l'horizon. Ah, j'ai rien dit. Oh, putain, ils vont vite, hein. Ils vont vite, hein. Mais si c'est des gentils, y a pas de crainte à avoir. Tout va bien. J'ai entendu un cri. Je sais pas si ça venait de chez moi ou... Non, ça vient pas de chez moi. Le mec, il a des fous chez lui, tu sais. Ah, on est dans un bateau. Je pense qu'on est clairement dans un putain de bateau. Oh putain. C'est quoi ça? Il y avait quelqu'un. Tu as des fous chez toi, toi? Elle s'appelle Six? Celle qu'on incarne, elle s'appelle Six? J'entends des bruits à droite là, derrière la porte là. Attendez. Il y a quelque chose là, j'en suis sûr. Il y a quelque chose là. Il y a un rat. C'est le bruit de rat! Ah mais non, c'était juste le bruit de... C'était juste le bruit de l'électricité, ok. Ah, il y a encore du PQ, hein, pour celui qui en veut. Eh, au moins, on sera pas en manque de PQ dans ce jeu. Hein. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Regardez, il y en a même en haut, là. Par contre, ce qui est bien que ce jeu, et je le fais pas, c'est que on peut vraiment regarder tout autour de nous. Et ça, je le fais pas. Faudrait que je le fasse un peu plus. Ok, donc là, il faut que je monte sur cette armoire. Il y a bien un... Bon, pour l'instant, ça va, hein. Pour l'instant, on va dire que c'est tranquille. Même si, je pense que ça va très vite dégénérer, cette histoire. Bon, je peux pas... D'accord, je peux pas aller sur le PQ, hein, c'est mort. Ferme la porte, Toshi. Oh, putain, d'accord. Ah non, mais... tu es glacé, Toshi. Ok, il y avait un levier derrière la porte. Yes! Ah, mais du coup, il fait noir. C'est nul. Vite, 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 vite. C'est bon. Regardez, il y a des traces de main là. Pourquoi il y a des traces de main là? Ah, l'électricité est revenue, c'est cool. C'est excellent. C'est trop bien fait. Des balançoires dans un navire, tout va bien. Oh là là. Pourquoi cette balle bouge? Il y a des balançoires dans le bateau. What the fuck? Est-ce qu'on meurt si on se fait choper par le train? Attendez, on va tenter un suicide. Attention. Ah! On arrête le train. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait nous écraser. Et du coup, il s'arrête. Allez. Ah, on peut le... Ah, putain, on peut carrément le prendre. D'accord. Ah ouais. Ok. Ah oui. Russicro. Bienvenue, Russicro. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à la Russie. Je sais pas comment on dit bienvenue en russe. En même temps, je sais pas dire grand-chose en russe.
Bon, on a encore une porte électrifiée. Est-ce qu'il y aurait pas un petit levier caché quelque part? Ah, mais il faut peut-être... Ah, d'accord, je crois savoir. Oh putain, si c'est ça, ça va être très hard. En gros, on va devoir réutiliser le premier levier qui se trouve là, à gauche, et aller tout au fond en courant. Je pense que c'est possible, mais ça va être chaud. Il y a encore le curseur, désolé pour le curseur. Ok, c'est parti. Faut tracer, là. Putain, en plus, on y voit que dalle. À tous les coups, il va y avoir un truc qui va arriver sur ma gueule. Allez. Ça passe. Yes. Ouh. Bon, alors pour le moment, je me sens un petit peu seul dans ce bateau. Hein. Y a pas grand monde, hein. À part des pendus, des rats et des lutins, je vois pas grand monde. Oula. On peut ouvrir les portes ou non? Non, on peut pas. Ça doit être les chambres, j'imagine. Oula, il y a des... Oula. What? Il y a un œil. Attendez, on va couper la... Il y a un œil. Oh putain, la vache. Attendez. Ok, donc on se transforme en pierre si l'œil nous regarde. Regardez. Regardez les... Regardez les enfants là à gauche de moi. Ils se sont fait prendre. Attendez, je vais attendre encore. Parce que là c'est chaud. Ok, on attend encore un petit peu. Va dans la lumière. C'est bon, ça passe. D'accord, donc on a un système de... Ok. D'œil. Très bien. Oh, il y a un lutin là. Regardez, il y a un lutin dans la cage. On va essayer de le libérer. Comment je fais pour... Ah, mais t'es parti. Mais pourquoi t'es parti? Oh, il est là. Et alors? Bon, t'es gentil, hein. Tu me fais rien, hein. D'accord, je passe à travers lui. Regardez, je passe à travers. C'est tout? Je l'ai sauvé, là? Qu'est-ce que je... Ah, attendez. Oh, on lui fait un câlin. Qu'est-ce que... Oh, il est content. Bon, ok, on l'a sauvé. Bah écoutez, putain, il me suit. Putain, il fait flipper, j'aime pas. Je sais qu'il est gentil, mais... Ah, des petits coquins, ceux-là. Hein. Bon. Bah écoutez. Bah salut, hein. Salut. Allez, on continue. Bon, cet œil-là, je pense qu'on va le... Je pense qu'on va en recroiser très vite des yeux comme ça. Ça sent pas très bon, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les crows, mais ça sent pas bon, cette histoire. Elle a un KW, bah oui. Bah, il pleut beaucoup dans un bateau. Hein. Faut se protéger. Oula. Oh. Oh. Y'a ma manette qui vibre, les crows. Ma manette vibre, c'est pas bon. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a pas de jambes. Oh le con. Oh l'angoisse. C'est bon. Oh. Il va arriver, non? Oh putain! Oh la vache! Ah, il est déformé, ouais. Il y a un truc qui va pas chez lui. Bon. J'espère qu'il va pas venir vers moi, là, parce que ça craint. Hein. Faut que je trouve comment sortir de là. Attends. Faut clairement aller en haut, là, mais je peux pas. Faut que je chope un truc ici. Grille égale échelle. Ah oui, c'est vrai que... J'allais prendre ça pour monter, mais effectivement, ça aurait été un petit peu compliqué. Hein. Ok, ouais. Non, parce que je connais pas le jeu, en fait, du coup, tu vois, mon cerveau, il me dit pas grille égale échelle. J'ai pas encore les automatismes du jeu. Mais ça viendra.
Dans 3-4 heures, quand on aura fini le jeu, voilà. Ça viendra quand on aura fini le jeu, les Crows. Donc on a affaire à quelque... Je sais pas ce que c'était. Honnêtement, ça avait des longs bras. Et ça avait pas de jambes. Et c'était assez flippant pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? T'as faim? Qu'est-ce qui se passe, Six? T'as faim? On dirait qu'elle a faim. Elle se tient le ventre, regardez. Elle est en train de se tenir le ventre. Elle a peut-être faim. Je t'aurais bien donné la pizza que j'ai bouffée ce soir, mais... Mais j'ai tout englouti, Six. Ah, c'est beau, hein. Ah, regardez, il y a encore un enfant, là. Il y a beaucoup d'enfants dans le... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre fait autant de bruit, là? Oula! Ah, c'est parce que lui est en train de manger. Il est en train de bouffer. Ah, l'enculé. Putain, il nous nargue. Ah, putain, non. Mais non, ah, je t'aime. Ah, je t'aime bien, toi. Je pensais qu'il allait nous larguer, mais il nous donne carrément à manger. C'est cool. Ah. Bah voilà. Bah merci beaucoup. Je sais pas comment tu t'appelles, mais merci. Oh là là. Ça a tellement l'air déprimant comme ambiance. Enfin, je sais pas, tout le monde a l'air triste. Regardez, il y a encore une corde de pendu là. Pour le prochain. Voilà, on lui prépare le terrain. Oh, avec la petite mélodie là, ça rend le truc tellement triste. Enfin, je sais pas. C'est triste. Je sais pas pourquoi c'est triste, mais ça l'est. On dirait une prison. Bah ouais. Ah, les douches. On est dans les douches. Oh là, il y a un The Grudge ou quoi là? Vous entendez ça? J'entends un The Grudge. Non, 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 c'est bon, tout va bien. Putain, il y a énormément de cases aussi. Très bizarre. Pour l'instant, je comprends pas tout, mais ça ne devrait tarder. En même temps, des jeux comme ça, des jeux comme Inside et des jeux comme... Et des jeux comme comme Limbo, y a pas vraiment d'histoire au final. C'est plus une histoire d'ambiance, d'atmosphère que de réel scénario. Ok, donc gris égale échelle, hein, c'est bon. Toshi a compris. Gris égale. Oh merde. Gris égale échelle. Bienvenue, ça se dit Dobra. Paralovat. Dobra Paralovat. Putain, c'est compliqué. Dobra Paralovat. Dobra Paralovat, les Crows. Et tu sais quoi, à chaque fois qu'il y aura un nouveau Crow sur le live, j'essaierai de dire. Attends. Dobra Paralovat. Putain, c'est le truc que je vais plus retenir dans 2 minutes. Dobra Paralovat. Ok. Alors pourquoi j'ai sauté là-dessus moi? Est-ce que je peux monter à cette échelle? Oui. C'est pas une échelle, c'est plus une chaîne, hein, mais on s'est compris. Dobra Paralovat. Full shot. Olé. Alors soit je peux monter ici, soit je peux monter à l'échelle. On va essayer de monter là. La vodka polonaise est la meilleure. Bah écoute, vu que je suis polonais, je vais te répondre oui. Hein? Entre polonais. Alors, ok. Ensuite. Ok. Et donc si je fais boum, que je cours, que je saute, et ça passe! Voilà, attention! C'est bon. Est-ce que je peux sauter ici? Je sens la mort. Oh putain! Oh là là! Ah non, mais non, faut monter à la chaîne! Oh, quel débile! Non! Oh putain! Et je vais me tuer? Mais je vais me tuer avec ces conneries là.
Allez, petit Six. Eh, démon gaming on merde, comment on dit? Comment on dit? Merde, attends. Le J ça, se dit J. Ah merde, attends. Attends, faut que je le dise. Attends, je l'ai dit, faut que je le dise. Faut que je remonte le chat. Dobra Pajalovat. Dobra Pajalovat, démon gaming on. Oh là, putain, l'angoisse. Ok. Faut pas qu'il se pointe l'autre. Hein. Faut pas qu'il se pointe l'autre. Hein. Depuis quand le Toshi est logique? J'ai jamais dit que j'étais logique. Hein. Ah non, je suis con. Hein. Ah oui. Y a rien de logique en moi. Hein. Bon. Là, la logique, tu vois, ça serait de pousser ce machin. Est-ce que la logique est bonne ou pas? La logique a l'air bonne. Ah! La logique veut qu'on se pende. Bon. La logique veut qu'on arrête le live à 21h45. Toshi Grutoi, tu as un temps limité? Ah bon? Bah écoute, pour l'instant, tout va bien. Oh, il y a un petit lutin. Alors, mon petit lutin. Allez, viens là. Bah voilà. Bah bien sûr que je vais te libérer, mon petit lutin. On va sauter sur la corde. J'ai fait une blague, c'était quoi la blague? On est où là? Pourquoi cet endroit ne me dit rien? C'est quoi ce bordel? Ah, c'est les douches! Ah d'accord, les douches ont changé. Oh putain, oh putain, putain. C'est énorme parce que je suis mort et je reviens à un endroit que je n'ai jamais fait. Ça me dit rien en tout cas, attends. Ah mais si, putain. Attendez. Attendez. Oh là. Oh merde, il y a un œil. Il y a un œil. Ok. On va couper ça. On va se concentrer. Et voilà. Voilà quand je me concentre ce qui se passe. Oh putain, elle a mal au ventre. Elle a mal au ventre. C'est bon. Ouh, elle s'est tenue le ventre, là j'ai eu peur. Allez, go. Ok. Bon, et cette fois, on fait gaffe. Oh putain! Six, là t'as géré. Là je te retrouve. Ah merde. Là je te retrouve, ma Six. C'était chaud, mais pas de soucis pour Toshi. Hein. Bon, oh là non, oh là, oh là, je le sens mal. Y a des petits lutins. Y a des petits lutins. On va les suivre. Ah, viens là, petit coquin. Viens faire un câlin à Six. J'ai dit, viens faire un câlin à Six. Putain, il est passé où ce con? Il est dans l'armoire? Attends. T'es où? T'es où, mon pote? Putain, il a disparu. Il veut pas de mon câlin. Je suis dégoûté. Ah. Ah. Je crois savoir où tu t'es caché. Ah oui, mais non. Faut que je mette la chaise dessus. Ok. Salut, monsieur Tanuki. Bah voilà. Mais alors? Ouh, regardez l'œil géant qu'on a en face de nous.
je parie. Oh, il y a un petit lutin derrière. Il y a un petit lutin. Oh, il est parti de l'autre côté. Si on appuie sur le bouton là, l'œil va s'ouvrir, c'est sûr. On va appuyer sur le bouton. On va appuyer sur le bouton et tant pis pour nous. Hein, j'ai envie de dire. Attendez. Il y a. D'accord. Je suis en train de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Ah! D'accord. Ok, on peut rappuyer sur le bouton pour voir autre chose. C'est une espèce de caméra. D'accord. Ok, donc là on a les lutins. Ils ont l'air de bien vivre. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont en communauté, ils sont très bien. Ok, suivant. On a un bonnet. On a une tête. On a quelqu'un qui dort, d'accord. Dans une cuisine, je sais pas. Il y a de la bouffe, ça me donne faim. Ok. Oula. Ambiance creepy là. Oh là 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 là. D'accord. Je crois que c'est la japonaise qu'on a vue au début. Regardez à gauche. Elle se tire les cheveux. Enfin, elle se tient les cheveux. Oh là là, c'est angoissant. C'est tellement angoissant. On l'entend et tout. Ah. D'accord. Et c'est tout. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut rappuyer dessus? Ah ah! C'est pas fini. Je m'éclate. Hein. Ok, là on voit une espèce de miroir posé sur un coussin. Très bien. Bah je pense qu'on a fait le tour. On va essayer de revenir un peu en arrière. Il y a beaucoup de lutins tout d'un coup. Ah, ça change d'ambiance là, putain, c'est cool. Ah, c'est moins sombre. J'aime bien. Ok, alors, ici. C'est Outlast, moi je dis. Toshi, j'ai vu une ombre derrière ta chaise. Oui, bien sûr. Bien sûr. Hop. Oh là. J'entends du bruit. On se cache. J'entends du bruit. J'ai entendu du bruit. Je croyais qu'il y avait un corps en dessous de la couette, mais non, pas du tout en fait. Hein. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Regardez le portrait du. C'est le portrait du monstre qu'on a vu. Qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ici on va faire un petit saut. Allez! Yes! Donc c'est ici. Et là. Ok. On a la clé. On a la quille! Oh merde! Ouvrons ce truc. J'imagine que je dois la prendre la clé, on est d'accord. Hein. Oh, c'est tellement bien fait, putain. L'animation est au top. Ok, c'était ça. On va balancer le cadenas. Parce qu'on en a plus besoin. Et puis, puis allons-y. Ok. Tout va bien. Oh, alors ça va faire du bruit, ça. Ça, c'est typiquement le jouet. Vous savez, le singe avec ses machins, là. Ça, c'est typiquement le truc qui va faire du bruit. Oh putain, si je le jette, ça va faire du bruit. C'est un ascenseur ? C'est un ascenseur. On y va. On y va. Ça sent mauvais là. Singe clapper, voilà, c'est ça. Ok, donc on peut se cacher dans cette petite boîte.
Comment... Ah d'accord, il faut que je reprenne le singe et que je rappuie sur le bouton. Ok, ça doit être ça. T'es où? T'es là. Hop. Eh, bienvenue Faustine. Bienvenue Faustine. Alors attends. Non. Ça c'était pas bien joué ça. Recommence. Voilà. Et on s'enfonce encore dans les abysses du navire. Ah oui, c'est vrai, je dois le dire en russe. J'ai oublié. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Ok, bon. Oh, monsieur Laura. Oh merde, putain, elle a encore faim. On va devoir bouffer le rat. On a faim. Bon, monsieur Laura, je suis désolé, mais... Écoute, la faim prend le dessus, hein. Tu veux que je te dise, allez, viens là. Je vais honorer ta mort. Voilà, ça sent pas bon, là, j'ai faim. Ah, putain, ça serait énorme qu'on mange le rat. Ça serait énorme qu'on mange le rat. Mais je pense pas, je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup, hein. Le jeu, Faustine, c'est Little Nightmares. Ah non. Non. Ah non, ça va, c'est pas un rat. Enfin, je pense pas. On va manger le bout de viande, là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est comestible. Mais je le mange. Elle veut un Ferrero. Mais bon. Merde! C'était un piège. Le bout de viande était un piège. Oh! Oh! C'est quoi ces bras? C'est quoi ces bras? C'est quoi ces bras? Bon, là, honnêtement. Là, honnêtement, ça craint. Ok, bon, c'est le moment de se tirer, je crois. Par là, vite. Allez, Six. Si tu veux pas te faire bouffer, Six, suis mes instructions. Tu vas allumer cette bougie. Pour le bien de tous. Ok. Y a un petit vide, là. Je sais pas si on peut sauter, les crozes. Est-ce qu'on peut sauter jusqu'à là-bas? Ça pourrait se tenter. Mais je vois qu'il y a un escalier là. On va peut-être essayer de prendre l'escalier. Je sais pas. Ou alors c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Hein. Ah, dans l'autre sens, mais je m'en doutais. Oh, je vais te sauver toi. Toi t'es un bon. De toute façon j'ai besoin de toi. Donc même si je te sauve pas, tu me seras très utile. Bon, faut pas qu'il revienne l'autre, hein, avec ses longs bras là. Allez, c'est bon. Yes, let's go. Oh putain, ok. Ça va être une question de rapidité, Six. Je compte sur toi. Je compte sur tes talents. Ah, faut que je me balance. Ah, faut que je me balance peut-être. Peut-être qu'en se balançant, effectivement, ça va aller mieux. On gagne du temps. Let's go. Oh, yes. Yes. Alors par contre, là, on fait gaffe parce que c'est exactement là où le monstre, on va appeler ça le monstre, est parti. Hein. Donc, restons prudents. Restons très prudents. On peut monter sur le tuyau là, non? On peut pas monter sur le tuyau? Allez! Merde,
Je fais du bruit. Je fais du bruit. Faut pas oublier. Oh putain! Je disais, faut pas oublier qu'on peut regarder à droite comme ça. Oh putain. Oh! Ah, il a quand même des jambes! Très bien. Oh, ça va être tellement hard de passer là. Comment je vais faire là? Ça se tente ou ça se tente pas les crozes? Est-ce qu'il va se retourner ou pas? Sachant que. On est sur du plancher et le plancher grince. On bouge pas. Il peut pas nous voir, on bouge pas. Oh putain. Il est aveugle. Donc si on bouge pas logiquement, on a une chance sur deux de vivre. Vive les gros monstres! Merci Yannou! Ah, je suis d'accord avec toi, vive les gros monstres! Merci beaucoup Yannou! Merci. Bon, du coup, il va se remettre au travail ou pas lui? Non, pas sur moi. Hein. Attention! Hein. Ah! Non! Oh le con! J'ai bougé. Ah putain, c'est excellent. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout là. Ah là, j'aime bien. Il est aveugle donc il ne te see you pas. Exactement, monsieur Tanuki. Il ne peut pas nous see you. Essaye de sauter directement sur la moquette, Toshi. Je pense que c'est trop loin. Je pense que le tapis est trop loin. Regarde. Je suis là et le tapis est là. C'est beaucoup trop loin. Je vais essayer, hein, mais... Attends, je vais essayer. De toute façon, on tente. Oh! Oh, bien vu! Oh, putain, bien vu, là. Là, bien vu. Oh, c'est bon. Oh! Ça passe! Putain, c'était le saut! Bien joué. C'était le saut. C'était ce putain de saut. On a un truc. Ça se met là, ça. Ah, mais ça va faire du bruit, il va l'entendre. Wouhou! Yes! Je suis sûr qu'il peut passer son bras dans le conduit. Non? Ses bras sont tellement longs que j'aurais cru qu'il puisse... En tout cas, il fait collection de chaussures. Ouh! C'est chaud, hein. Oh! Quelqu'un a perdu sa pompe. Nice! Ah, attendez, il y a une sauvegarde ici. Ah là là, putain, je suis tendu, je vous jure. C'est impossible de se détendre sur ce jeu. Oh là, ben y a beaucoup de chaussures par ici. Wouh! Bon alors là, clairement, ça sent la merde. Là clairement, ça sent le caca avec Rose. Parce que j'imagine qu'on va devoir aller là-dedans. Hein. Oh là là. Ça a bougé. Attendez. Je suis presque sûr qu'il y a un truc sous les chaussures. Ok, faut atteindre le deuxième matelas qui est là-bas. On va tenter. Qu'est-ce qui va se passer? Il va forcément se passer. Oh là là! Ah non, c'est une valise, c'est pas un matelas. Oh putain, bon. Il y a le Loch Ness sous les chaussures, les crozes. Faut courir, bah oui. Bon, bah on va courir, let's go. Oh! Saloperie! Vous êtes prêts? Pour le grand saut? Let's go! Allez. Ouais, bien joué, Six.
Très très bien joué, Six. Je suis fier de toi. Oula. Oh là, ils ont pendu les rats. Ils ont pendu les rats par la queue. Ils ont pendu les rats, c'est un... Ah ! Oh ! Oh merde 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 ! Oh ! Oh ! Oh ! Holy shit ! Holy shit ! Choper là ou pas? Ah le salaud! Il va me voir! Ah putain, sa main, sa main, sa main, sa main! Il est horrible! Il est horrible! Merci les lutins, putain. Merci les lutins. Merci les lutins. Vous me sauvez la vie là. Yes. Yes. Oh. Il y a un truc à faire ici, ok. Ok. Faut que je saute là. Voilà, ok. Très bien. Fais un peu moins de bruit s'il te plaît. Je l'entends. Je l'entends les choses. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh putain la vache. Regardez, il a sa collection de je ne sais quoi là. Regardez sa tête. Très bien. On va pas faire de bruit. Là. Allez, let's go, let's go. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je dois pousser, je dois pousser, pousser madame. C'est bon. Yes. Oh easy, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. Oh c'était simple. Oh merde. Oh merde, oh merde. Putain, mais quand est-ce qu'on va le semer ce mec là? Putain, j'ai pas envie de faire du bruit, c'est pas grave, on y va. J'ai envie de sauvegarder là en fait, y'a pas une sauvegarde? Ça c'est... Ça, vous voyez, c'est le genre de truc, c'est le genre de moment où tu te dis putain j'ai fait une connerie. C'est le moment de courir. Allez, 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 allez Six, allez, 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 tu peux le faire. Eh, t'as connu pire hein. Non, je pense pas que c'est la bonne colonne de niveau. Je pense que c'était là. Let's go! Woo! Et maintenant, le saut. Oh! Oh yes! Yes! Attention, attention! Merde! Putain, il est juste là. Là. Oh.
On va le suivre. De toute façon, on n'a pas le choix. On peut mettre la lumière parce qu'il est aveugle. Je pense pas que la lumière, ça le dérange. Ouah, nickel, c'est ça qu'il faut faire. Oh putain, on est bon. On est tellement bon, les creuses. Vous avez vu? Je meurs plus. C'est bizarre, hein. Alors, on a un objet pour le... Oh putain. Si ça, ça tombe... Ça, on va le prendre avec nous. On va le prendre avec nous. J'ai peut-être fait une boulette, là. J'ai peut-être fait une boulette. Que c'est stressant. J'en peux plus. Il doit venir pour t'ouvrir la porte. Ah, ok, ok, ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici, avec le levier. On va allumer la télé, et on va sortir tranquillement. Voilà, on va attendre ici. Ok! Nickel! Ah. Allez, vas-y ma poule. Je crois qu'il arrive. Oh! Ok, c'est good! Yeah! C'est bon, ça passe. Ouh! Ça me fait quand même penser à Inside, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a un truc. Nous revoilà dans les bons vieux conduits. On espère... Oh, une lampe. Oh putain, parfait. On sauvegarde. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, yes. Ok. Je peux pas ça. On s'est fait avaler. Bon, attention. Attention parce qu'il y a des mains, là. Il y a des petites mains. Oh putain. Ok, je dois passer. Ok. Ok. Mais fais gaffe, le rat, putain, on va se faire griller avec tes conneries. Putain, merde. Oh, je suis mort. Je devais aller dans la cage derrière. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Ça? Oh putain, c'était ça. Oh merde, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh, oh! Alors, enculé. Alors, espèce d'enculé. C'est qui le patron? Oh putain, on lui a quand même décapité les bras. Hein. Non, oh putain, oh qu'est-ce que je viens de dire là?
Qu'est-ce que je viens de dire? Oh là là! Oh putain! Ah non, mais il y a des moments comme ça où je suis obligé de rire de ce que je sors. Non, mais là, c'est trop, quoi. Oh putain, j'en pleure. Oh le con! Je lui ai décapité les bras. Oh my god! Ah, j'en pleure. Oh le con. Ouh, putain. Énorme. On lui a décapité les bras. Je crois que ça restera. Pff. Aïe, 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 aïe. Non, mais oui, t'es Kaiku, je sais, je sais. Mais au moins, on rigole, tu vois. On rigole. Voilà, au moins je me rends compte de ce que je dis, tu vois. C'est déjà un grand pas vers la guérison, tu vois. Bonne nuit, Queen Crow. Bon, je crois qu'on l'a eu en tout cas. Je crois qu'on l'a eu. Ah, faut qu'on s'accroche là-dessus. Non. Ah, si. Si, j'ai rien dit. Ah, pas mal, hein. Petite visite guidée de l'abattoir. Putain, c'est immense. Regardez, il y a un truc en haut. Ah, mais c'est le gros monsieur au bonnet. C'est le gros monsieur au bonnet qu'on a vu dans la caméra, de l'œil. Je m'en souviens très bien. Faut qu'on saute ici. Ouais. Ah merde, j'ai faim. Oh putain. Je crois qu'on crève la dalle, attention. Moment crève la dalle là. Faut vite qu'on trouve à manger. On va allumer le briquet. Ah monsieur le rat, tu tombes toujours bien toi. Tu tombes toujours quand j'ai faim. Eh. C'est pas du hasard. Hein. Dès qu'on voit le rat, notre ventre se met à gargouiller. La lila. Oh non. Pauvre rat, je vais devoir te manger. Oh. Non, on va le manger. Attendez. Oh putain, mange monsieur le rat. Non. Comment j'avais intuité? J'avais intuité les crozes. Au début du jeu, j'ai dit quoi? J'ai dit ce rat, on le bouffera dans le jeu. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 2 heures? Voilà, tout va bien. Non mais Six, je te comprends, ok? Je crois que j'aurais fait la même chose si j'aurais très 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 faim. Hein? Je crois que tout le monde l'aurait fait les crozes. Bon bah c'est très bien. C'est très bien. Regardez tous les corps dans les bennes ordures là. Ah putain. Ah putain. On l'entend. On l'entend à droite. Il est en train de cuisiner. Mais qu'est-ce qu'il cuisine? Des corps? C'est parti. Oh la vache. Ok, il est là. Oh la vache.